Pourquoi l'exposition s'appelle amateur? Il y a un moment, je me suis mis à remarquer que dans le monde qui nous entourait, on mettait toujours en valeur le professionnel, le train. Il y a un espèce pro à la poste, il y a un guichet pro, etc. Enfin, ça finit par m'agacer tellement. Je suis revenu à moi ce que j'étais au départ. J'ai travaillé pendant 10 ans la photographie comme un amateur. L'amateur, c'est les origines de la photographie. Tout le monde était amateur au point de départ. Mon rendez-vous le plus marquant, c'est avec Miles Davis. J'hésite pas. J'avais vraiment l'impression d'être au pied d'une montagne, quoi. Le gars me regarde et il me dit « Vous savez combien ça va vous coûter de photographier Miles Davis ?» Je lui dis « Non. » Il me dit « 50 000 dollars. Merde, je les ai pas. » Mais Monsieur Davis, vous méritez beaucoup plus que ça. Et là, il retire ses lunettes et il me dit « Ok. » T'as raison, pour toi, je vais le faire gratis. Mon secret le plus inavouable, George Orwell dit qu'un véritable secret, c'est quelque chose qui est caché aux autres, effectivement, mais qui aussi est caché à soi-même, en fait. Le véritable secret vous est caché, ce qui fait que... Comment pourrait-on l'avouer ?